historien spécialiste du Moyen-Âge et j'ai commencé à travailler sur le mythe arthurien à l'époque contemporaine. Alors ça a l'air un peu étonnant de dire ça, mais en fait le roi Arthur est plus présent dans la culture en général aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge c'était une culture qui était, en fait le mythe arthurien était quand même assez réservé à l'aristocratie, c'était, les textes arthuriens étaient en grande partie diffusé exclusivement dans l'aristocratie, alors qu'aujourd'hui ça passe par la culture populaire, par le cinéma, par la bande dessinée, par la musique, par les jeux, notamment les jeux vidéo. Donc en fait j'ai voulu étudier ça, et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est devenu un phénomène quasi planétaire. Vous allez avoir des versions du mythe arthurien au Japon par exemple, même dans les années 80 en Union soviétique, hein. Donc il y a énormément d'aspects de cette légende qui s'est diffusée dans le monde entier, et en fait chaque aspect correspond à des périodes et à des préoccupations de chaque période. Par exemple, au 19e siècle, vous allez avoir des versions du mythe qui vont être des versions colonialistes. On va promouvoir l'épopée coloniale britannique en disant que le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde doivent être des exemples pour cette entreprise. Au 20e siècle, on va avoir des versions écologistes du mythe arthurien en mettant en avant la figure de Merlin, des versions plus démocratiques en mettant en avant la figure d'Arthur. Il va y avoir aussi des versions féministes qui sont de plus en plus importante dès les années 70 et même 80, 90, et aujourd'hui il y en a de plus en plus. Donc c'est assez étonnant, et surtout ce que j'ai voulu faire c'est en fin de compte ne pas hiérarchiser entre les textes médiévaux et les textes actuels et les œuvres actuelles. En fin de compte toutes les œuvres, que ça en partant de Chrétien de Troyes ou Geoffroy de Monmouth qui écrivait au 12e siècle jusqu'à Camelot aujourd'hui, jusqu'à Alexandre Astier, et bien, en fin de compte toutes ces œuvres là se valent en fait. Chaque œuvre sont des réinterprétations et des inventions du mythe arthurien, parce qu'il n'y a pas de pur mythe arthurien. Le premier texte qu'on a date du 9e siècle, et c'est un texte très court, en fait. C'est le premier texte qu'on a retrouvé, écrit par, semble-t-il, un moine gallois qui s'appelait Nennius. Et en fait, c'est un texte très court où il y a juste deux personnages qui sont cités, Mordred et Arthur. Donc vous voyez, Lancelot, Perceval, le Graal, tout ça, c'est des inventions permanentes et perpétuelles par rapport au mythe arthurien. Et en fin de compte, les auteurs du 19e, du 20e, du 21e siècle, quel que soit leur médium, ils ne font que réinventer le mythe arthurien. Et ça qui est intéressant. Vous avez trois grands personnages médiévaux qui sont beaucoup utilisés. Vous avez Jeanne d'Arc, vous allez avoir Romain des Bois, mais le mythe arthurien, il y a plein de personnages, et c'est un mythe extrêmement plastique. Donc n'importe qui, dans le champ politique, vous allez avoir des versions d'extrême gauche du mythe arthurien, des versions d'extrême droite. Parfois, il y a même eu des grands dignitaires nazis qui sont emparés du mythe arthurien, comme Himmler, par exemple. C'est extrêmement plastique, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut créer une version écologiste sans aucun problème, mythe arthurien. Je donne un exemple qui est assez frappant. C'est deux semaines après la mort du président Kennedy, donc le 22 novembre 1963 à Dallas, son assassinat, sa veuve Jackie Kennedy, dans une interview dans Life Magazine, qui est un journal à l'époque énormément, et même encore aujourd'hui énormément diffusé, compare explicitement son mari au roi Arthur. Alors évidemment, il faut expliquer pourquoi, c'est un peu compliqué, c'est un peu long, il y a tout un contexte qui explique cette comparaison. Mais depuis ce moment-là, en fait, notamment dans le camp démocrate en fait, aux États-Unis, dès que vous allez avoir un jeune candidat américain démocrate qui va avoir ses chances pour la Maison Blanche, par exemple Clinton, Bill Clinton ou Barack Obama, il va y avoir des comparaisons dans la presse et dans la presse nationale qui vont être faites entre lui, enfin entre ce candidat et le roi Arthur, ou le temps de Camelot. Et aux États-Unis, quand on dit « the time of Camelot », c'est une référence en fait aux années Kennedy. Donc ça, c'est un exemple assez frappant, mais des exemples comme ça, il y en a énormément, et parfois de manière assez surprenante. Il y a des personnages, on ferait pas le lien avec le mythe arthurien, mais vous allez avoir des grands personnages qui vont s'emparer du mythe arthurien. Un autre exemple qu'on peut donner, encore une fois aux États-Unis, parce qu'il faut bien comprendre que la culture populaire américaine est centrale dans ce revival arthurien. Ça, s'il n'y avait pas la puissance de feu et l'énorme diffusion de la culture populaire américaine qui s'est emparée du mythe arthurien, il n'y aurait pas de renouveau arthurien, y compris en France. Camelot d'Alexandre Astier, donc cette série qui a triomphé dans les années 2000, on voit qu'il y a énormément de références à des films arthuriens anglo-saxons, que ce soit les Monty Python Sacré Graal ou Excalibur de Bourman. Donc un autre exemple pris dans la culture populaire américaine, par exemple, c'est Jay-Z. Jay-Z, c'est un rappeur. On se dit, Jay-Z, le mythe arthurien, bon, non. Mais en fait, son dernier album s'appelle Holy Grail.
Donc c'est le Saint Graal. Hein. Et donc il y a dans ces textes des références au mythe arthurien. Et là après, c'est assez long à expliquer, hein, mais il y a en fait des connexions qui se font parce que en fait, chacun peut y mettre en fait, ce qu'il veut en fait, dans ce mythe arthurien.